Bonjour, très chers téléspectateurs de Catol TV Gabon. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Louis, roi de France, unique souverain français à avoir été canonisé par l'Église, nous vous proposons une visite de la cathédrale qui porte son nom dans le diocèse de Port-Gentil, la cathédrale Saint-Louis. En quittant Libreville par le port Molle, nous disons au revoir à sa grande sœur, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie de Libreville, pour nous rendre dans le diocèse de Port-Gentil. Construite entre 1926 et 1928, la cathédrale Saint-Louis est la plus vieille église de Port-Gentil et l'une des plus anciennes du Gabon. Elle est le siège du diocèse de la ville. Je suis l'abbé René Comlambosou, curé de la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil depuis 2016. Alors, en ce qui concerne l'historique de la cathédrale Saint-Louis, il faut dire que depuis mai 1926, le père Barreau se voit confier et par Monseigneur Tardy, la lourde tâche d'ériger une église à Port-Gentil. Et c'est en 1928 que débutaient réellement les travaux de construction de cette paroisse en collaboration avec le frère Xavier. Alors, l'église est bénie sous le saint patron de Saint-Louis. Saint-Louis, qui est né le 25 avril 1214 à Poissy. Il est sacré roi en 1226 à Reims. Alors, devenu roi de France à l'âge de 12 ans, il porte le nom de Saint-Louis IX et régna de 1226 à 1270. Alors, Saint-Louis avait pour idéal dans son royaume de faire régner partout la paix, la justice et la charité. Tout dans son gouvernement était basé sur les valeurs évangéliques. 1926, vous voyez que nous approchons déjà le centenaire de la cathédrale de Port-Gentil. Alors, sa situation géographique, la cathédrale est la plus vaste en territoire, ce qui concerne le territoire de toutes les autres paroisses. Bon, nous avons 5 communautés ecclésiales vivantes de base qui essaient de rendre visible la présence de l'Église dans les différents quartiers. Et la vie de la paroisse actuellement est animée par les frères de Saint-Gabriel, les sœurs de Sainte-Marie, et puis moi le curé, le vicaire abbé Innocent Agnaou, qui est en même temps procureur du diocèse, et Onel Mals, qui était stagiaire canonique, qui vient d'être ordonné diacre le dimanche dernier. Donc nous avons un conseil pastoral, paroissial, qui essaie d'animer la vie de la paroisse avec l'équipe pastorale en place. Nous avons un conseil pour les affaires économiques qui essaie de nous aider également dans la bonne gestion de la paroisse. À l'intérieur, très simple, se côtoient bois et pierre. À l'entrée se dresse un Saint-Louis taillé en pleine pierre.
dans l'agréable jardin qui entoure la cathédrale. On peut venir se promener ou méditer. Elle est vieille. Elle est vieille et puis et ça coule à certains endroits. Donc il y a à voir les travaux de l'étanchéité de la paroisse et aussi la grotte là où a eu lieu les ordinations. Nous avons l'intention de faire l'extension de ce grand hangar pour que quand il y a les grandes célébrations, qu'on ne déploie plus de logistique en tente et autres, qu'on soit à l'aise, bien à l'aise. Et aussi le presbytère, vous voyez, le presbytère, tout est vieux. Donc le presbytère, c'est un gros projet à faire. Toute la toiture à enlever et puis reprendre. Tout ça, vraiment, c'est énorme. Mais nous comptons sur Dieu, puisque c'est lui-même qui arrange au mieux. On s'engage, mais c'est lui qui accomplit les signes. Et les signes viendront. Les signes viendront de lui. Merci, mon père. Une imposante statue de la très sainte Vierge Marie recueille les prières des fidèles et des pèlerins qui viennent lui rendre l'honneur dû à la mère de notre Seigneur. Ce haut lieu de l'histoire de notre pays et de notre Église s'apprête ainsi à célébrer son centenaire, signe de la vitalité de la foi chrétienne implantée à Port-Gentil depuis l'époque des missionnaires. Rendez-vous est donc pris pour vivre ensemble cet événement qui fixera une nouvelle date importante dans la vie de notre Église locale. Saint-Louis, priez pour nous.